Bonjour à tous. Supposons qu'on ait l'équation 7x est égal à 14. 7x égale 14. Avant même qu'on cherche à résoudre cette équation, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on réfléchisse un instant à quest ce que ça veut dire d'avoir 7x égale 14. Eh bien, littéralement, ça veut vraiment nous dire que 7 fois x, 7 fois x, et je vais continuer à écrire x en orange, 7 fois x doit être égal à 14. Alors maintenant, si on veut connaître la réponse, on peut par exemple commencer par euh, se réciter la table de 7 dans notre tête. 7 fois 1, qu'est-ce que ça fait Ça fait 7, ça ne marche pas. 7 fois 2, 7 fois 2, ben ça fait 14. Et donc, rien qu'en faisant ça, on est capable de trouver que la réponse à notre équation, ça va être 2, parce que 7 fois 2, c'est 14. Alors, bien sûr, là on a pu trouver la réponse de tête juste en cherchant, mais ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est une méthode plus systématique pour résoudre ce genre d'équations parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'elles deviennent de plus en plus compliquées, ce ne sera pas toujours possible de trouver la solution du premier coup dans sa tête. Donc, ce qui est important de comprendre ces deux choses, c'est d'une part comment résoudre ce genre d'équations quand elles sont plus complexes avec une méthode un peu systématique, mais aussi d'être capable de toujours se rappeler qu'est-ce que ça signifie. Par exemple ici, 7x égale 14, ça veut vraiment dire que 7 fois notre inconnu va être égal à 14. Maintenant, vous le savez, en algèbre, quand on a des lettres, on ne met pas toujours le signe de multiplication. On peut tout à fait écrire 7x pour représenter 7 fois x. Et une des raisons pour lesquelles on fait ça, c'est parce qu'une lettre qu'on utilise beaucoup en algèbre, surtout quand on fait des équations, c'est le x. Et si jamais on utilisait le signe de multiplication, si par exemple on écrivait 7 fois x, avec notre signe de multiplication, ben, on aurait deux choses qui se ressemblent un petit peu entre un x et un fois. Il y a moyen de se tromper. Et par conséquent, on préférera toujours avoir quelque chose sans notre signe fois. On préférera écrire 7x pour représenter 7 fois x. Bien. Maintenant, on va voir comment résoudre ce genre d'équation. Mais avant, on va essayer de se représenter un petit peu visuellement déjà ce qu'elle veut dire. 7x, c'est 7 fois x, on l'a dit. Ça veut littéralement dire que c'est x, x plus x plus x plus x 7 fois. Ça, c'est 7 fois x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x. Et on a dit que c'était égal à 14, et donc je vais représenter ce 14 avec 14 objets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, là j'ai représenté un petit peu plus visuellement notre équation. 7x est égal à 14, ces deux choses sont égales, pour que vous compreniez ce qui se passe quand on va diviser par 7 dans cette équation. Pourquoi on va diviser par 7 Eh bien en fait, on a un nombre devant notre inconnu, devant notre x, le 7, ça s'appelle un coefficient. Et quand on a une équation de cette forme, c'est-à-dire un coefficient fois notre inconnu est égal à quelque chose, ce qu'on veut faire c'est diviser par le coefficient. Regardez, on va le faire. Ici on va vouloir diviser par 7. Et parce qu'on travaille sur une équation, ce qu'on fait dans le terme de gauche, on va devoir le faire aussi dans le terme de droite. Qu'est-ce que ça nous donne Ça nous donne qu'on peut simplifier. 7 fois quelque chose divisé par 7, ça nous redonne ce quelque chose. Donc 7x sur 7, c'est égal à x. Et de l'autre côté, 14 divisé par 7, c'est égal à 2. On trouve donc que la solution de notre équation, c'est 2. Mais regardons visuellement ce que ça signifie. On a d'abord divisé 7x par 7. Ici j'ai mes 7x, je vais donc les diviser en 7, c'est-à-dire que je vais prendre 7 morceaux, je vais couper ça en 7 morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 morceaux. De la même manière, à droite, 14 les diviser par 7, donc on va diviser en 7 groupes, en 7 petits morceaux, ces 14 objets qui représentent le nombre 14. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que ces deux choses étaient égales. 7x était égal à 14. J'ai découpé 7x en 7 morceaux, qui valent tous la même chose, ils valent tous x. Et j'ai divisé 14 aussi en 7 morceaux, qui valent tous la même chose. On voit bien qu'il y a autant d'objets dans chacun des morceaux que j'ai dessinés. Et donc, vu que 7x était égal à 14, chacun des petits morceaux que j'ai fait en divisant 7x par 7 va être égal à un des petits morceaux que j'ai fait en divisant 14 par 7. Autrement dit, ce morceau, x on peut dire qu'il est égal à ce morceau. De la même manière, ce morceau-ci, cet x là, on peut dire qu'il est égal à ce morceau-ci. Et finalement, en ayant divisé ainsi mon 7 x par 7 et mon 14 par 7, je trouve que un seul x un seul morceau de cette division est égal à un morceau ici qui contient deux objets. x est égal à 2, on retrouve le résultat de notre division ici. On va maintenant regarder ce que ça donne sur d'autres exemples. Disons qu'on est 3x égale 15. Si vous voulez résoudre cette équation, vous pouvez bien sûr la trouver dans votre tête, vous dire que ça, ça signifie que 3 fois un nombre est égal à 15, et si vous récitez la table de 3, vous allez trouver la solution, c'est sûr. Mais on veut une méthode un peu plus systématique pour résoudre tout le temps ce type d'équation. Qu'est-ce qu'on va faire on va d'abord se dire ça, d'accord, on comprend que 3x est bien égal à 15. Mais ce dont on a envie, c'est d'isoler notre x, d'avoir juste un x dans le terme de gauche. Et donc on se demande, qu'est-ce que je dois faire pour seulement avoir x dans le terme de gauche Eh bien, la réponse, c'est tout simplement diviser par 3. Si j'ai 3 fois quelque chose et que je divise par 3, je me retrouve avec une seule fois cette chose, donc 3x divisé par 3, ça va me donner x tout seul. Mais on avait une égalité, on avait 3x est égal à 15, et on veut conserver cette égalité. Donc si on veut que nos deux termes restent égaux, il faut que l'opération qu'on a faite à gauche, on la fasse aussi à droite. Et donc, vu qu'on a divisé 3x par 3, on va diviser 15 par 3. Maintenant, on peut simplifier l'équation qui est sous nos yeux. 3x divisé par 3, on l'a dit, ça va nous donner juste un x, et 15 divisé par 3. On sait le faire, c'est juste égal à 5. La solution de notre équation, c'est donc 5. X est égal à 5. On aurait pu la résoudre autrement. Vous allez voir que c'est une méthode très équivalente. On avait 3x égale 15. Encore une fois, on voulait se retrouver avec juste un x. Ce qu'on aurait pu faire, c'est multiplier par un tiers. Vous auriez pu me dire, ben, un tiers fois 3, ça va me donner 1, ça va faire disparaître le 3. Mais bien sûr, si je multiplie par un tiers à gauche, je multiplie aussi par un tiers à droite. On va faire ce calcul. On l'a dit, un tiers fois 3, ça nous donne 1. Donc un tiers fois 3 fois x, ça nous donne 1x. On pourrait dire une fois x, mais on va écrire 1x, on préfère écrire les choses comme ça. Et 15 fois un tiers, c'est un tiers de 15, c'est-à-dire 5. On ne va pas laisser ça comme ça parce qu'en général on n'écrit jamais un x car un x ça vaut x tout simplement. Donc un x égale 5 c'est la même chose que de dire x égale 5, ces deux méthodes qu'on vient de faire sont vraiment équivalentes, divisé par 3 ou multiplié par un tiers ça fait la même chose et vous le voyez ça nous donne bien la même réponse dans les deux cas. On va faire un dernier petit exemple, juste un tout petit peu plus compliqué, on va dire qu'on a 2y. 4y, j'ai aussi changé mon inconnu, j'ai décidé de prendre un y plutôt qu'un x, et on veut 2y plus 4y égale 18. Déjà, c'est moins facile de trouver dans sa tête ce que ça vaut. 2y plus 4y, ça me paraît pas super évident. Bien sûr, on pourrait essayer, on pourrait remplacer par exemple y par 1 et calculer 2 fois 1 ça fait 2 plus 4 fois 1, donc 2 plus 4 ça ferait 6. Si on remplace y par 1 ça fait 6, ça marche pas, mais on pourrait essayer dans sa tête différentes valeurs et je pense que. Si vous le faisiez, vous arriveriez à la solution. Mais on va essayer de comprendre, encore une fois, on va essayer d'être un petit peu plus systématique. On va essayer de comprendre ce qui se passe. On a 2y plus 4y. 2y, on le sait, c'est y plus y. Auquel on additionne 4y, c'est-à-dire qu'on additionne y plus y plus y plus y. Et on sait que ça, c'est égal à 18. Maintenant, regardons notre terme de gauche. On a y plus y plus y plus y plus y plus y. Plus y. Et bien, ça, tout simplement, c'est 6y. Et c'est pas très étonnant en fait. On avait 2y plus 4y. Supposons par exemple qu'on ait 2 pommes plus 4 pommes. Au final, on a 6 pommes. Ça, on sait le faire depuis déjà bien longtemps. Et bien, pour les y, c'est pareil. Si on en a 2 et qu'on en ajoute 4, au final, on en a 6. Et donc, on peut dire que notre 2y plus 4y, c'est 6y. Et notre équation devient donc 6y égale 18. A ce stade-là, je pense que vous savez résoudre. C'est exactement comme ce qu'on a fait précédemment. Si on veut résoudre pour y, il faut diviser par le coefficient qui est devant y. On va donc diviser par 6 à gauche. Mais si on divise par 6 à gauche, on n'oublie pas de diviser par 6 à droite. À gauche, les 6 se simplifient. On se retrouve avec seulement un y. Et à droite, 18 divisé par 6 est égal à 3. Une dernière chose qui est chouette avec les équations, c'est qu'une fois qu'on a trouvé une solution comme ça, bah on peut vérifier qu'elle marche bien. On avait 2y plus 4y est égal à 18. Et on dit, ça veut dire que y est égal à 3. Bah vérifions, qu'est-ce qui se passe quand y est égal à 3 2y, ça devient 2 fois 3. Plus 4y, c'est-à-dire 4 fois 3. 2 fois 3, c'est égal à 6. 4 fois 3, c'est égal à 12, et 6 plus 12, c'est égal à 18, c'est bien la solution que l'on voulait. Ça nous permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, la solution de notre équation, c'est bien y égale 3, et ça finit ces exemples. Merci de votre attention. Au revoir.